soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes à La Pélouse, une vieille maison du nord de la France qui a comme caractéristique d'être la moitié en Flandre et la moitié en Artois. La Pélouse, c'est une maison qui a eu une grande aventure au début du XXe siècle, puisqu'elle a été simultanément état-major de l'armée des Indes, état-major de l'armée du Portugal et école de guerre de l'armée britannique. La Pélouse, c'est une maison qui est dans son jus, qui est intacte et qui raconte une autre histoire de la Première Guerre mondiale. Car au-delà des états-majors, c'est une maison qui a accueilli également beaucoup d'artistes. C'est sa caractéristique étonnante d'avoir reçu autant d'artistes durant cette période. Les plus célèbres sont Daniela Levy, le français, l'anglais Zéphyr Sassoon, grand poète britannique, et bien sûr les portugais avec des artistes plutôt contemporains qui ont redécouvert avec La Pélouse leur histoire militaire de 14-18. La Pélouse, c'est aussi un très grand jardin et arboretum. On est au bord de la Lys, juste au bord de la Lys. Et c'est un arboretum qui reste très nature. C'est également au sein de ce lieu une autre adresse qui s'appelle la Poudrière, qui est une ancienne poudrière de Vauban qu'on a réaménagée dans les années 2010 pour en faire une résidence d'artistes. Et nous essayons tous les hivers, moi aujourd'hui mais plus hier, nous essayons tous les hivers d'accueillir des artistes. Des artistes qui viennent du monde entier et qui ont un lien avec la Première Guerre mondiale. Nous avons comme ça accueilli des artistes indiens, nous avons accueilli des artistes chinois, car ici il y avait des chinois autrefois, durant cette guerre, et on a accueilli des artistes anglais et portugais, bien sûr sans oublier quelques français. Ce sont de deux types, ce sont des plasticiens, mais ce sont également des écrivains, et ça c'est assez étonnant d'avoir des écrivains. Je pense que cette maison a l'ADN de l'écriture. Je pense à Daniela Levy, qui a été l'un des grands éditeurs des années 20 et 30 en France, avec la maison Grasset. Je pense à Zéphyr Sassoon, qui est certainement le plus grand poète de la Première Guerre mondiale, et celui qui a également rajeuni l'écriture poétique anglaise, qui était précédemment un petit peu trop lourde. Et nous avons récemment des écrivains portugais qui se sont emparés du sujet et qui ont permis au Portugal et au Brésil de redécouvrir cette épopée du 14-18 qui était passée depuis bien longtemps sous silence. Ces artistes ont écrit aussi bien les Portugais que les Anglais que les Indiens, ont écrit des œuvres, des romans qui ont redonné une nouvelle coloration à cette Première Guerre mondiale et à la mémoire qu'on pouvait en avoir. Et je pense que c'est un lieu absolument unique dans le nord de la France, d'avoir un regard culturel sur la Première Guerre mondiale. La Pélouse est aussi une maison d'hôtes qui est très agréable pour les gens du nord, les gens de Paris, les gens de Belgique, les gens de Grande-Bretagne. Très agréable parce qu'il y a un très beau jardin. C'est aussi une maison d'hôtes de mémoire, car aujourd'hui on a des gens qui viennent qui veulent redécouvrir l'ambiance de 14-18 qu'incarnait cette maison. Car cette maison incarne un 14-18 qui n'a rien à voir avec celui des guerres, des combats, des tranchées et des cimetières. C'est plutôt un 14-18 empli et rempli de culture, de visions différentes par rapport à la guerre et qui est quelque chose, un lieu qui valorise, qui donne une nouvelle saveur à cette épopée qui était plutôt tragique à l'époque et qui aujourd'hui reprend une dimension de modernité, de révolution, notamment aussi bien il y a eu une révolution technique à l'époque pour les armes, ainsi de suite, mais aussi une révolution dans l'art de vivre, dans l'écriture. Et je pense que ce lieu est devenu un lieu très valorisant pour les hôtes qui viennent y séjourner, hôtes qui sont bien sûr intéressés par cette mémoire de guerre. Bienvenue à la Poudrière de Saint-Venant. C'est un vieux bâtiment qui date de Vauban, qui a été reconstruit en 1669.
et qui a fait partie des villages fortifiés. Hein, le Samoa est un village fortifié du précaré de Vauban. Voilà. Autrefois, pour l'anecdote, c'était une citadelle qui appartenait à Charles Quint, car nous étions espagnols. Ça fait partie des caractéristiques du Nord. Ici, c'est avec un aménagement contemporain, c'est l'hiver, une énorme résidence d'artistes. Quand je dis énorme, c'est qu'elle est très volumineuse et nous avions la tradition d'accueillir régulièrement des artistes. Aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais ça l'a été de façon intensive durant de 1900, 2010 à 2015. Voilà, là, on accueille tous les ans systématiquement des artistes. Ces artistes viennent, n'oublions pas, des différents pays qui ont été impliqués dans cette Première Guerre mondiale. Et ces artistes ont produit des écrits, des romans, ou des tableaux, ou des sculptures. Rarement des sculptures, mais tableaux et écrits ont été nombreux. Que vous dire, c'est que en résidence ici, les artistes avaient l'aptitude très souvent de terminer ça par une exposition. Et on invitait les gens des environs à découvrir leur travail. Et en remerciement, ils laissaient à l'association une petite œuvre. Par exemple, là, on a derrière nous des tableaux d'une artiste française, photographe bien connue. Et nous avons un peu partout disséminé dans la poudrière des petits tableaux qui ont été faits par les artistes eux-mêmes durant leur séjour. Nous avons accueilli des artistes chinois, des artistes indiens, des artistes portugais, des artistes anglais, des artistes français et des artistes australiens. Cette poudrière a une caractéristique assez étonnante, c'est d'être revisitée complètement par les techniques écologiques d'aujourd'hui. La poudrière utilise un matériau inattendu dans le patrimoine de Vauban, le polycarbonate, qui permet de capter le soleil dès le moindre rayon et qui installe une température permanente très, très forte, avec un coût de revient qui est ridicule puisqu'il nous coûte 0 euro. La poudrière, par cette caractéristique-là, interpelle beaucoup les jeunes, car les jeunes, pour eux, ne s'attendaient pas à voir un bâtiment de ce type-là ici. Et quand ils découvrent la poudrière, eh bien, ils sont heureux et rêvent d'y séjourner. La poudrière reste un endroit amusant, car on s'imagine pas avoir un tel espace, une telle organisation des lieux, car ça reste avant tout une maison comme une autre, mais une maison très différente.